Yo les gens, ici Rafi76250, on se retrouve pour le 9e épisode sur fin de bus, donc c'est parti, nouveau trajet aujourd'hui, on va partir de Rouen jusqu'à Rennes. Voilà, vous voyez, on voit le titre destination Rennes. Donc on est avec un Setra S515 HD, donc assez joli, avec un petit livret verdier. Donc malheureusement, pour ceux qui se demanderaient la question, malheureusement, on ne pourra pas l'installer de mode sur la version console. Donc là, c'est une version, je suis sur la version PC, je préfère préciser, et on peut télécharger des mods via Steam. Donc là, ça ne sera pas possible sur console, malheureusement. Donc c'est-à-dire que vous serez obligé d'avoir les skins d'origine du jeu. Donc on va en avoir pas mal déjà. Je crois qu'on va avoir le Anniversary Pack qui sera compris dans le jeu d'origine sur console. Donc on va pas perdre trop de temps. Donc franchement, le bus est assez joli, donc verdier, il est vraiment joli. Donc là c'est écrit naturel. Derrière on a naturellement et on a verdier, www.verdiautocar.com. Donc petite dédicace à mon ami Fafan, donc parce que c'est une entreprise qui est située où t'habites. Donc t'habites à Rodez, il me semble que c'est une entreprise qui est située près de chez toi. Donc je sais pas, tu me diras dans l'espace commentaire si ça existe vraiment, mais c'est une... Donc j'ai mis aussi la plaque Verdier, voilà, j'ai mis la petite. Par contre, je sais pas pourquoi ça m'a fait le petit E majuscule en plus. Ce qui est bien, c'est qu'on a la plaque 76, vous voyez, comme je pars de Rouen. Donc on va commencer à prendre nos passagers, c'est parti. Donc, principalement pour les passagers, donc déjà ouvrir la soute. Voilà. On va. Donc j'espère que le son du jeu sera pas trop fort. On va donc démarrer, voilà, on va prendre nos passagers. Donc bonjour, donc à Varennes, c'est bon. Je peux te prendre. Toi, tu vas où? À Rennes, c'est bon. Donc Rennes, c'est bon. Rennes, c'est bon. Rennes, c'est bon. Donc par contre, je voulais partir de l'entrepôt, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Partir de l'entrepôt. Ok, Rennes, c'est bon. Toi, tu vas où? Rennes, c'est bon. Je peux te prendre. Donc là, on a qu'un seul arrêt à faire. Donc on fait un Rouen direct, Rouen-Rennes directement. Rennes, ok. Toi. On va aller vers lui. En Rennes, ok. Voilà. En Rennes, ok. Toi, en Rennes, ok. Bon, pour l'instant, c'est que des gens qui vont à Rennes. En Rennes. Donc, à mon avis, j'ai tout pris. Ouais, j'ai pris tout le monde. On va aller voir si tout le monde est dans le bus. On va fermer la soute. Hop. Voilà. Donc, on a tout le monde dans le bus. Voilà. Voilà, on a tout le monde. On peut y aller. Est-ce qu'on doit faire demi-tour ou pas? Oui, on doit faire sûrement demi-tour. Donc on va y aller. Voilà, attendez, je vais mettre juste centrer bien ma caméra, voilà, on y va. Donc je sais pas là combien de kilomètres à faire. On a Ah, il me dit pas combien de kilomètres on a à faire. Merde, dommage. Ah, t'es parce que je suis pas encore démarré, c'est pour ça. On va y aller. Il va me le dire après sûrement le nombre de kilomètres. On a 574 kilomètres à faire. On va attendre un petit peu. Parce que là, il y a la police, donc on va faire attention. Donc voilà, on y va. C'est parti. Donc là, on part de Rouen. Et on va en direct. Merde. Ouais, bah d'accord. Le mec, ça commence déjà bien. Le mec, il me fonce dedans. Merci. C'est lui qui me fonce dedans. Moi, je suis dans ma ligne. Hein. Le mec, il commence déjà bien. Allez, on y va. On va essayer de respecter. Bah, 100 km/h en ville, ça me paraît beaucoup. Hein. Ah, j'ai oublié d'enlever mon clignotant. Donc on va pouvoir y aller, il n'y a personne. Donc est-ce qu'on a un... Je sais même pas si on a une pause à faire entre les deux destinations. Je pense pas qu'on ait une pause à faire. Je vais quand même aller voir, mais je crois qu'on n'a pas de pause à faire. Je vais quand même regarder. Donc j'ai pas mis ma caméra pour la vidéo, pour que c'est plus immersif. Ou on a une pause à faire vers 13h. Ok. Faut qu'on fasse une pause vers 13h. Donc 100, ça me paraît beaucoup, 100 km/h en ville. Donc bien évidemment, je vous ferai également des trajets sur fin de bus quand j'aurai la version PS5. Donc par contre, je ferai pas au volant, je ferai à la manette. Je vais pas le faire au volant. Parce que, au fait, le problème, c'est que moi, il faut que... Si je veux jouer à la version PS5, il va falloir que je débranche tout le temps mon volant pour jouer à la version PS5. Donc, je resterai à la manette sur la PS5. Mettre le petit régulateur de vitesse. Donc,
Donc par contre, je sais pas si ça va être comme ça sur PC, mais sur console, mais vous voyez, on n'a pas le coup de frein quand on freine, comme dans Tourist Bus, on n'a pas ce truc-là. Donc je trouve ça vraiment bien, je trouve. Vous voyez qu'on n'a pas le gros coup de... Après, je pense que c'est vraiment qu'on freine beaucoup fort, quoi. Vas-y! Putain, les mecs savent pas conduire! Putain, le mec, il me serre la gueule, quoi. L'IA, c'est pas conduire, quoi. Le mec, vous avez bien vu, c'est lui qui m'a serré la gueule, c'est pas moi. Putain, j'espère que ça sera corrigé sur PS5, l'IA, parce que là, c'est vraiment honteux, quoi. Et encore, je suis sur la dernière version du jeu sur... Sur PC, c'est la dernière version du jeu. C'est pas le jeu quand il est sorti, c'est vraiment une mise à jour, quoi. Donc, oh là là. L'IA complètement n'importe quoi. Donc on parle matin, on arrive vers 15h normalement. Donc là il est 9h17 du matin. Ah oui, j'ai pas fait, attendez, est-ce que j'ai fait le truc? Oui. Non, départ, c'est bon. Par contre, j'ai pas fait la petite annonce. Donc ça, c'est la petite annonce qu'il faut le faire à chaque fois. Donc malheureusement, c'est en allemand. Voilà, c'est moi qui a touché. Qui a touché le côté là. Ah, faut que je m'habitue avec la distance des bus, la longueur des bus. Faut vraiment que je fasse attention. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut's doch mal auf unserer Facebook. Donc là, en gros, il dit qu'il y a Internet dans le bus, il y a la climatisation, tout, je crois. Il annonce tout ça, quoi. Donc par contre, si vous faites plusieurs trajets dans le jeu, vous êtes obligé de faire l'annonce à chaque arrêt de bus. Même si vous pêchez pas, vous faites, je sais pas, on va dire Lille-Rouen-Paris, bah vous êtes obligé de faire une annonce à chaque arrêt de bus. Ça, c'est obligatoire. Parce que forcément, à chaque arrêt, il va y avoir des nouveaux passagers. Donc, les nouveaux passagers, ils n'ont pas entendu l'annonce d'avant. Petit régulateur de vitesse. Voilà, c'est la fin. Ah non, pas encore. On va se mettre à 48, c'est vraiment bien, 48. Donc Rennes, je crois que c'est une ville que j'ai pas encore découvert, je crois. Pour ça, on va essayer de découvrir toutes les villes au moins de la France. Bon, je pense que là, peut-être pour une demi-heure pour le trajet, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, par contre, ce sera pas en 4K, malheureusement, ce sera en 1080p 60 images secondes. Ce sera pas en. Parce que mon PC me permet pas de jouer en 4K. Alors, c'est déjà pas mal au niveau des graphiques, hein. Franchement, y a rien à dire. C'est déjà assez propre. Mais la version PS5 sera plus belle que cette version là, que vous voyez à l'écran. Parce que ça sera en 4K. Ah oui, là il parle en allemand, je crois, non? Attends, là il fait en anglais et là il fait en allemand, je crois, maintenant. On va y aller, on va pouvoir accélérer un peu plus. On va se mettre à 90, on va pas rouler à 100. De toute façon, on va pas rouler à 100. Pour l'instant, c'est 70. Ça fait à 70, attendez, hop. Comme ça, moi je fais mon montage ce matin, puis je vous publie la vidéo tantôt. Donc normalement, j'espère que ça a marché. J'ai fait ma petite capture, miniature d'écran, donc capture pendant le jeu. Donc j'espère que ça va marcher. En plus, sans vouloir, je fais un peu le... Sans vouloir, j'ai fait le... Bah, j'ai mis la météo à peu près le même temps que j'ai chez moi. Donc la météo est vraiment clémente pour conduire.
Par contre, j'ai vu des bugs moi dans le jeu sur PC, des bugs de collision. Par exemple, des camions qui tapent dans les barrières ou même des camions qui sont éclatés. Voilà, comme là, on a eu un petit accrochage. Donc, il y a quand même des bugs sur PC, quoi. C'est pas parce que c'est PC que la version est bien optimisée, quoi. Et bon, après, moi sur PC, j'ai pas tous les DLC qui sera présent dans la version console. Hein. Je préfère vous prévenir parce que sur la version console, il y a plus de DLC que moi. Ça, moi j'ai que la France et l'Allemagne et puis la Belgique en DLC. J'ai pas tous les DLC parce que j'avais la version console qui sortait et je préfère prendre la version console pour avoir tous les DLC. Donc, on va rouler un peu plus, se mettre à 90. Ah merde, faut les tourner là! Oh le con, j'ai oublié de tourner. Ah bah de toute façon c'est pas grave. On pourra se rattraper. Ah j'écoute mon zappé, je suis en train de regarder la route et je me concentrais pas sur le. Bon c'est pas grave, on va passer par là. Je pense que normalement c'est possible de rattraper de ce côté-là. Donc ça c'est bien. Sauf que c'est possible de rattraper la route sur d'autres routes. J'étais en train de regarder ma route mais je regardais pas mon GPS. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas. Ça fera un petit détour. Donc le jeu est. Comme vous pouvez voir, il est assez fluide. Après, niveau graphique, je trouve pas. Voilà, je pense que ça devient peut-être de ma carte graphique qui était pas assez puissante. Mais au niveau graphique, je le trouve pas top. Bah, c'est bien. Voilà, c'est quand même mieux que mon ancien PC. Mais voilà, c'est pas. Je pensais que ça serait plus beau que ça. Après, quand vous regardez ETS2, moi je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence entre mon ancienne config et ma nouvelle config. J'ai pas vu de grosse différence majeure. Je pense que. On pourra pas avoir mieux avec la carte graphique. C'est de rouler quand même proprement là, je vais essayer de conduire proprement. Voilà, on va y aller, on va accélérer. Hop. Parce qu'elle est à 100 km/h. Là, on voit la mer là-bas, non? Ah ouais, c'est peut-être la mer qu'on voit. Je sais pas si c'est la mer qu'on voit au fond. Je pense pas que c'est la mer. Je vais me caler à 90, voilà, 91. Je cale mon GPS, mon régulateur à 80. Allez, 90, c'est bien. Ça suffit largement. Et là, du coup, là, on va s'arrêter dans. Bah, à 13h. Alors, quelle heure il est dans le jeu là? Il est 10h, donc on va s'arrêter à 13h. J'espère que vous n'allez pas trop entendre mon fils qui crie depuis tout à l'heure là. Je sais pas ce qu'il a. C'est doubler lui si c'est possible. Oh bah d'accord, ok. Puis que lui. Ah oui, non, il l'a mis son clignotant, j'ai rien dit. Je pensais qu'il avait pas mis son clignotant, mais oui, il l'a mis. Je fais merde, le mec, il met pas son clignotant. Donc, moi, pour moi, donc moi dans le bus, dans enfin, bus sur PC, alors comme j'ai pas tous les DLC car également, j'ai que les Cetra, le Neo Skyliner, et. Oui, c'est ça, Neo Plan Skyliner, voilà. Et j'ai les bus d'origine qu'on a dans le jeu, c'est merde, comment ils s'appellent? Les Man Lyon Coach C et le Man Lyon Coach. Tout court, voilà. Donc j'ai pas tous les bus dans le jeu. Par contre, freinez un petit peu là, ça va un peu vite. Ça va assez vite les kilomètres quand même. Ça va, je trouve que ça va quand même vite. Là, on a fait allez, 20 km en quelques minutes, donc ça va assez vite les kilomètres. Après, c'est de l'autoroute, alors ça va vite. On va se caler à 90, voilà, hop. Oh, c'est une auto-école devant? Ou c'est un. Non, c'est un taxi. Bizarre, un taxi, le mec, c'est une Golf, quoi. Trop bizarre. Ouais. Ah là, on a eu comme le coup de frein, vous voyez? On a quand même entendu le coup de frein. Tac, voilà, on va se mettre à 90.
Ah, par contre, non. Parce que là, j'ai vu une bagnole au loin. C'est doublé E. Parce que là, il y a un. Il y a un gros peloton là. Un gros groupe de personnes. On va essayer de les doubler pour être tranquille. Ils sont roulés à 80. Allez, 99. Ah, il veut pas se mettre le régulateur à 99. Attendez. Voilà, 99, on va mettre le régulateur à 99. Cela, sinon on va traîner, ça va pas aller assez vite. Mais là, du coup, on est le 4, je crois. On est 4 ou 5, je crois. On est le 5, je crois, aujourd'hui. Ouais, on est le 5. Du coup, il reste 23 jours avant la sortie du jeu. Donc, ça, c'est dans quelques jours. Ça va passer vite, maintenant, on va dire. Oui, les kilomètres, ça va assez vite. Hein. On est déjà à 473 km. Donc ça va assez vite, je trouve. Par contre là, je sens presque pas mon volant. Bah je prends, je le sens quand même, mais mais par contre, je trouve que le volant, il est peut-être pas bien réglé, parce que je trouve qu'il tourne pas comme moi. En fait, le volant tourne pas beaucoup par rapport à moi. Moi, je vois dans le jeu que le volant tourne presque pas, mais par contre, moi, ça tourne bien, quoi. En fait, mon volant est presque à... Pour tourner le virage, là, je suis presque à un quart. Et dans le jeu, le volant est presque pas tourné. Par contre, je sens bien la vibration. Franchement, là, les... je sens bien, on va dire, la viscosité de la route. On sent bien la route. Je sens que mon volant, il vibre dans la route. Là, c'est pareil, hier, j'avais fait un petit trajet, du coup, pour découvrir la gare de Paris. Donc, j'étais parti à Porte-Maillot pour aller jusqu'à... Paris-Bercy, je crois, et je voyais vraiment bien quand je roulais sur les pavés, les pavés quoi. Bah, on sentait bien les vibrations du volant. Alors, normalement, comme c'est pas en 4K, je pense que la vidéo devrait aller assez vite à se monter en vidéo. Par exemple, depuis que j'ai ma nouvelle config, je sais pas si vous en avez parlé, mais à peu près en montage vidéo, une vidéo, allez, 27 minutes, j'avais fait une vidéo test de 27 minutes, ça m'a mis une heure de montage. Qu'avant, auparavant, une vidéo de 27 minutes, ça on va dire 30 minutes, ça me prenait 5-6 heures. Donc maintenant, ça me prend une heure. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que là, je peux, par exemple, dire, bah tiens, celle-là, je finis ma vidéo ce matin, et je fais le montage pendant que je mange. Et bah après je vous publie la vidéo après manger quoi. Peut-être enlever mon clignotant moi, ça a de le laisser. Après je vais peut-être me rabattre parce que le mec je veux le doubler mais je peux pas le doubler. Je vais me remettre à 100 pour que ça aille plus vite, pas plus vite, pour qu'on trace bien je veux dire. Là, on va doubler là, hop. Par contre, il y a beaucoup de véhicules utilitaires, je trouve. Il y a beaucoup de véhicules comme ça, vous voyez. Il y a beaucoup dans le jeu, je crois, des véhicules. Putain, j'essaie de pas trop toucher la barrière. Ce sera un peu con de toucher la barrière. C'est de bien conduire quand même, de rester propre, on va dire, dans ma conduite. À part au début que j'ai pas très bien conduit, mais bon, là, je vais essayer de me rattraper. Je vais me mettre à 100. Voilà, je remets à 100, voilà. Mon régulateur à 100 km/h pour être tranquille. Donc là, au niveau des touches, j'ai moins de boutons que sur TS, hein, sur mon volant. J'ai moins configuré de touches. Voilà. Donc là, on va pas tarder à s'arrêter. Il est 10h. 10h47, on va essayer de s'arrêter vers 1h. Déjà, il faut trouver un air de repos, déjà. C'est le principal, déjà. Peut-être freiner, là, parce qu'on arrive à une bifurcation d'autoroute. On rejoint une autre autoroute, voilà, excusez-moi. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon.
En plus, on a un beau temps, ça c'est cool. Donc après, oui, vous pouvez largement dans le jeu, vous pouvez comme dans sur console, c'est également pareil. Vous pourrez mettre une météo dynamique, c'est-à-dire que ça se peut que vous commencez votre trajet, il commence à faire beau et après il pleut. Donc ça, c'est possible sur la version PS5, ce sera également possible. Donc voilà, ça aussi c'est un skin Euroline, c'est aussi un skin ça de bus. Par contre, ils avancent pas là. Ah mais les mecs ils m'ont gêné là. Au pire on va essayer de s'arrêter vers midi. On va s'arrêter vers midi si on peut trouver un Adorpo. Bah non, j'ai pas doublé sur la gauche, mais bon, sur la droite, excusez-moi. Ah, j'ai touché! Bah attendez, j'étais super loin normalement. Bon, j'ai eu un accident, je sais pas pourquoi, j'étais super loin pourtant du bus. J'ai regardé dans la rétro, j'étais super loin. Bah, je sais pas pourquoi il m'a dit que j'ai touché. Après, faut me remettre dans le bain du jeu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, hein. C'est aussi pour ça aussi, hein. Ça fait pas mal. Bah, la dernière vidéo, je crois, enfin, le bus date d'il y a 8 mois. Donc, faut que je me remette dans le bain au niveau de la conduite. Donc là, on est déjà à 394 bornes. Il reste à faire. Donc, on a fait à peu près 100... 150 km déjà. Donc, c'est déjà pas mal déjà. J'aurais eu mon clignotant. J'essaie de bien faire attention ce coup-là pour me rabattre, pour pas me rabattre sur sa gueule. Non, c'est bon. Bon, je pense qu'elle est quelle heure là? 10h46, je pense qu'elle est 11h10, on a fini le trajet quoi. Il reste pas tant de kilomètres à faire. Rouen, ah, direction Rouen, ah, on peut rejoindre Rouen, je sais pas pourquoi. Par contre, c'est chiant, on n'a pas de GPS, ça aurait été bien, une voie, je veux dire. Ce serait bien d'avoir une petite voie GPS, ça aurait été sympa, je trouve. Après, au niveau des modes dans le jeu sur PC, c'est différent que par exemple sur ETS2. Vous pouvez pas rajouter des maps, vous pouvez vraiment que rajouter des skins, voilà, des skins de bus. Vous pouvez pas mettre des maps. Ouais, c'est de s'arrêter vers midi, si c'est possible de s'arrêter vers midi. Ce serait pas mal. On va anticiper le virage quand même, parce que... Donc là, on a encore un autre skin, basque. Donc c'est, je sais plus quoi, compagnie basque de bus. Non, le mec, je suis à 110, à 100, lui il a plus que 100 km/h. Donc, normalement, on peut aussi avoir des contrôles de police, mais là j'en ai pas encore eu. Je sais même pas s'il y en a en France. Je sais qu'en Allemagne on a des contrôles de police. On peut avoir des contrôles de police, ça peut être intéressant de voir ça. Mais après, je sais pas s'il y en a en France dans le jeu. Donc, après, évidemment, plus tard on aura un DLC qui sortira sur console. Donc, ça sera sur le truc de foot là, je sais plus comment ça s'appelle. Football bus, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un DLC où vous pourrez gérer votre entreprise de transport un peu plus poussé que sur le jeu d'origine. En fait, dans le jeu d'origine, proprement dit, il n'y a pas de mode carrière. Oui, il y a un mode carrière, mais pour eux, le mode carrière, c'est juste découvrir des villes. Et vous gagnez de l'XP petit à petit. Alors moi j'aurais bien trouvé un arrêt pour m'arrêter là, une aire de repos. Mais pour l'instant je crois qu'il n'y en a pas dans le coin, je vais regarder s'il y en a une sur ma route. Attendez, excusez-moi, c'est M.
Même pour la map. Alors, est-ce qu'il y en a une sur ma route ou pas? Ah bah pour l'instant, il n'y a même pas. Il y a même pas une... Ah oui, il y a une ardeur polaire, mais c'est super loin. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il y en a une là, non? Attendez. Ah, mais il y en a une là, mais il faut que je sorte, je crois. Il y en a une juste là, mais il faut que je sorte. Bah non, je vais pas pouvoir y aller ici. Par contre, c'est super loin, par contre, les ardeurs polaires à chaque fois. Vous voyez, on a fait que ça comme route. Oh, on a quand même bien mal, pas mal roulé hein, quand même, on a quand même pas mal de route. Mais bon voilà. Ah ouais, c'est chiant les ardeurs pro. On va essayer d'aller à l'air de repos que j'ai vu sur la route. Bah, à mon avis, ça va être trop tard. Hein. Ah, l'air de repos, il y en a un là. Mais je pense qu'il faut sortir pour avoir l'air de repos, je crois. De toute façon, on sort de toute façon. On change de route du coup. Pas route de route, mais. Voilà. Ah merde, excusez-moi, j'ai encore mis mon clignotant. Bah, de toute façon, non, on prend pas la même route, donc du coup, on n'aura pas pu aller à l'Esther de repos là. Donc là, on sort de l'autoroute, on va prendre la nationale du coup. Là avant la voiture, donc là du coup on prend la nationale. Après, qu'on prend peut-être qu'on prend une autre autoroute, mais là pour l'instant on sort. On va rester ici de toute façon. Pourquoi tu as toujours des bugs de son? J'ai remarqué ça aussi hier. Quand j'étais en live, ou avant-hier je crois, et on m'a dit qu'il y avait des bugs de son sur le jeu. La pluie était là et du coup le son de la pluie disparaissait. Donc on peut avoir des bugs de son également. Après heureusement que j'ai la fibre parce que ça va me faire publier la vidéo rapidement avec la fibre. J'en ai pour quelques secondes quoi. Mais le plus long, c'est le montage vidéo, quoi. De toute façon, ça a toujours été long, les montages vidéo. Faut rouler à 100 sur cette route-là. Ils sont tarés, eux. Je vais pas rouler à 100 sur cette route-là. Hein. Je vais me mettre à 90. Je vais me mettre à 90, voilà, parce que 100, ça me paraît beaucoup. Hein. Si on roule comme ça, 100, ça me paraît bizarre. Hein. Surtout que nous, chez nous, c'est 80, c'est pas 100 sur les... Alors, il faudrait que TML Studio revoie leur vitesse, les limites de vitesse sur les routes, parce qu'en France, c'est pas ces vitesses-là. Hein. On roule pas à 100 sur une nationale. Hein. Je sais pas où ils ont vu qu'on roulait à 100. Hein. Donc comme vous pouvez voir, ils ont pas comme... vous voyez, on n'a pas le logo CETRA sur volant, c'est parce qu'ils ont pas la licence du coup. Mais ils ont quand même pu mettre le logo CETRA sur le bus, et ça je comprends pas. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pu le mettre sur le bus, mais ils ont pas pu mettre le comment on appelle ça? Merde. Le truc sur le volant, quoi. Le logo sur le volant. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Est-ce qu'ils ont pas eu la licence, peut-être? Il avance pas, lui, il m'énerve, il me fait ralentir, mec. Je
j'aurais bien voulu le doubler, mais le problème c'est que si je le double, il y a une bagnole en face. Je suis dans le caca. Oh, y a une bagnole qui arrive. Moi, je vais pas pouvoir le doubler comme ça, le mec. En plus, il y a les gendarmes en plus. Oh non, je vais pas avoir le temps. Après, on essaie de faire le temps de pause quand on peut. Hein. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de temps de pause partout. Il n'y a pas assez de d'air de repos partout sur la carte. Donc, bon, là, il fait quoi? Il avance pas, le mec. Donc, je voulais pas mettre ma caméra parce que je voulais faire une différence entre live et vidéo du jeu. Donc, gameplay. Sur le jeu, donc je vais essayer de vous faire aussi des gameplays sur je sais pas quand je vais vous en faire. Je vais essayer de vous faire des gameplays sur logistique truck logistique. Donc je vais essayer de vous en faire ça. J'ai récupéré le jeu sur PC là. Donc je vais essayer de vous proposer des gameplays sur ce jeu là. Donc c'est pas un jeu ouf, hein. Il doit sortir sur PS5 également, mais au niveau graphique, c'est vraiment pas digne d'une PS5. Hein. C'est plus un jeu PS4 que PS5. Hein. Vas-y, coupe-moi la route. Je peux rien dire. Donc, j'essaie de doubler parce qu'il m'énerve depuis tout à l'heure. Je le colle au cul, mais il avance pas, le mec. Est-ce que je peux le doubler ici, par exemple? Bon, j'espère que j'aurai le temps. Wouhou! C'était chaud! C'est chaud patate. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir rouler à ma vitesse de croisière parce que là, le mec, il m'a ralenti sur mon trajet. Je préfère rouler à 90 comme, on va dire, voilà, on respecte les anciennes vitesses parce que le... Voilà, quoi. Donc là, on voit encore la mer là-bas. Alors, je sais pas, Rennes, si c'est en bord de mer ou pas. J'ai jamais été à Rennes. Oh non, il y a encore des voitures, oh non. Ils vont me ralentir, les mecs. Il y a encore 240 km, on a fait la moitié de chemin. Un peu plus de la moitié. Si on avait 500 quelques bornes à faire. Ah, si j'aurais su, j'aurais pas pris un trajet aussi long que ça. J'aurais pris plus près. Bon, on verra demain avec le montage vidéo, ça devrait aller assez vite. Chier, merde. Et là, pour doubler les mecs maintenant, ça va être chaud. Pour les redoubler, on va bien s'emmerder. Donc au niveau graphique, je suis en ultra partout. J'ai mis ultra partout, je suis en ultra partout, niveau graphique. Après voilà, je pense que c'est par rapport à ma carte graphique, après également, que c'était pas si fluide que ça au niveau... Pas fluide. Oui, c'est fluide, mais au niveau graphique, c'est pas... Pour moi, je trouve ça pas assez ouf que ça, quoi. Donc, je suis au volant, hein. Du coup, je joue au volant avec mon Transmaster T150. Je préfère vous préciser quand même. Ah, je vais rester derrière eux, fait chier. Pfff.
Et puis là, pour doubler, ça va être chaud. Là, ça avance quand même un petit peu plus. En fait, je reste moins derrière eux, collé, je veux dire. Mais c'est pas évident, quoi. Donc, il reste 215 km à faire, à peu près. On est bientôt arrivé. On est à plus de la mi-chemin. Donc, par contre, au niveau de la map, attendez, excuse-moi, hop, au niveau de la map, on est où du coup? Ah, on est bientôt arrivé à Rennes, du coup, vous voyez, on est bientôt arrivé. Ah, bah, il y a un air de repos ici, on va pouvoir s'arrêter ici. Là, par contre, c'est dans. Ah, ouais, il va être midi 30, donc ça va être plus tard du coup. On va essayer de s'arrêter à l'air de repos là, hein, même si notre pause on l'a fait plus tard. Je pense que du moment qu'on l'a fait, c'est le principal. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Du moment qu'on fait la pause. C'est le principal, après l'heure, eux ils disent 13h, mais c'est on va dire une tranche horaire quoi. Peut-être pas obligé de la faire à 13h. Toute façon, je vais arriver surtout, je vais sûrement arriver avant l'heure. Hein. Souvent dans Farnbus, vous arrivez souvent avant l'heure. En fait, ils sont larges au niveau des distances des horaires, de trajet. Ils sont quand même larges dans le jeu. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé vers peut-être 14h, peut-être 14h30, au lieu de 15h. 47, j'étais arrivé vers 14h. On va rester ici. On va se mettre ici. Donc là, à mon avis, on va reprendre l'autoroute. Ça va peut-être aller plus vite. Ça me paraît bizarre quand même un péage sur le national. À mon avis, c'est on va reprendre l'autoroute. Hein. On va pouvoir tracer un peu plus. Ouais, à mon avis, c'est comme une autoroute, on va dire. Je pense pas que c'est une nationale, parce que ça me paraît bizarre, un péage sur une nationale. Rennes. Ah, on a le panneau Rennes là, nickel. Donc on va aller par où? À droite. On reprend sûrement une nationale, je pense. Ou une autoroute, je sais pas du tout. Allez, on y va. Non, non, c'est une autoroute, je crois. Ouais, c'est une autoroute. C'est une deux voies. Par contre, là. Vas-y, passe, 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 passe. Merci. Allez, c'est parti. On va pouvoir accélérer un peu plus là. On est sur l'autoroute. On va être à 100, on va se caler à 100. Ah, je peux pas rouler. Ah oui, je peux rouler à 100. Merde, je peux pas rouler à 100. Là, hop, 100, 100 km/h. On va aller un peu plus vite là, les kilomètres, on va plus les avaler là. Donc, par contre, je sais pas pourquoi il y a des différences de couleur de route. Là, c'est quoi ce skin là? Olicar, ça s'appelle. Olicar. Voilà. Bon, ça c'est aussi des skins qu'on peut avoir également, que je peux mettre dans le jeu. J'ai pas mal de skins, j'en ai téléchargé la dose. Bon, vous en avez des centaines et des centaines de skins dans le jeu à télécharger. Mais ils sont bien, je trouve qu'il y a des skins réels en plus. On a des skins Flexbux de 2013, 2018, on a pas mal de trucs. On a Carperrier, on a pas mal de. Là c'est le skin sur l'entreprise de Rodez, mais on a pas mal de skins pas mal quoi. Et via, ce que je vais vous dire aussi, excusez-moi, via le DLC du coup bus, autocar là, qu'on aura plus tard avec le DLC où vous devez porter votre équipe de foot à tel endroit, voilà, ce sera un DLC à part. Alors du coup, dans ce DLC, on aura les skins aussi des bus, c'est-à-dire que, admettons, si vous prenez l'équipe de Munich, bah, vous aurez le skin pour votre bus Bayern de Munich. Pareil pour, je sais pas, une autre équipe, je connais pas trop les équipes de la Liga allemande. Bah en fait ce sera pareil, vous aurez également des skins des autres équipes également. Je crois qu'il y a 18 équipes, je crois. Et votre rôle, ce sera d'être chauffeur de l'équipe et aller chercher les joueurs à l'hôtel. Donc à tel hôtel, par exemple, vous partez, je sais pas moi, de Berlin et vous allez jouer à. Ah, j'ai besoin de repos. Ok. Du coup, par exemple, vous partez de Berlin, vous allez, je sais pas, à Dortmund, par exemple. Je crois que Dortmund, c'est
Dortmund, c'est en Allemagne, je crois, si je me trompe pas. Bah là, vous pourrez directement porter vos, aller chercher vos joueurs à l'hôtel et surtout entretenir votre car, réparer votre car si vous avez des dégâts. Un peu comme Tourisbus, sauf là, c'est vraiment un truc de foot, quoi. Vous êtes chauffeur de car pour une équipe de foot, voilà. Par contre, je sais pas quelle date sortira. Je pense que ça sortira après la sortie du jeu. Dans quelques mois après, je pense que ça va pas sortir aussitôt. Mais bon, ça fait comme si que vous aurez. C'est comme si que vous allez avoir un jeu en, deux jeux en un. Parce qu'en fait, le jeu, du coup, ça sera dedans, quoi. Vous aurez le fanbus de base et je pense que ça sera un autre mode de jeu. Et vous pourrez choisir votre mode de jeu équipe de foot, je sais pas comment ça s'appelle. Le DLC. Là, je pense qu'on arrive bientôt. Il reste 140 burns. Je pense qu'on arrive bientôt à notre arrêt de à faire. Il est quelle heure là? Merde, j'ai foncé. J'étais en train de... Excusez-moi. Je suis en train de regarder mon téléphone du coup. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, ça va. J'ai juste entendu le bruit, mais il n'y a pas eu de dégâts. Donc, si ça vous plaît ce genre de vidéo, je vais essayer de vous en faire plus. Si ça vous plaît, hein. Par contre, je sais pas pourquoi il y a des problèmes d'éclairage comme ça dans le jeu. Des fois, on a les éclairages comme si toute la route était éclairée, quoi. Trop bizarre. Alors, encore 122 km à faire. Par contre, c'est chiant, j'ai pas le. Accélère un peu plus. Hop. En plus la pause c'était 13h en plus. Alors là pour l'instant on est par dessus. Donc, je sais pas il est où l'art de repos qu'il disait tout à l'heure parce que là je vois pas encore. Par contre le retour de force il marche bien sur volant. Là on sent bien la. Ah bah tiens il est là l'art de repos, voilà. On a trouvé notre art de repos. Alors faut s'arrêter ici. Ici du coup attendez. Ici, pas rater la sortie quand même, ce sera un peu con. Donc là, on va faire une autre petite pause. Donc 13h19, on est allé 20 minutes de retard. Bon, c'est pas grave. Hein. Sur l'heure prévue, alors on doit s'arrêter ici. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire pipi, vous pouvez y aller. On va s'arrêter ici. Hop. Tac. On va éteindre le bus. Ah, je sais plus comment on fait pour éteindre le bus. Ah oui, non, faut que je descende du coup pour éteindre le mobile. Bon, c'est pas grave, on va faire juste ça. Faites la pause, donc il est 13h. Donc là, du coup, il est 13h36. Ok, bon, on peut y aller du coup. Il reste 109 km à faire. Donc là, comme je suis en mode arcade, c'est pour ça que je peux pas éteindre mon bus, tout ça. En fait, le bus va s'éteindre quand je vais descendre de mon bus. En fait, je suis en mode arcade, je peux pas régler tous les petits détails. Alors par contre je sais pas si j'ai réglé. Ah, oh, j'ai eu un message, j'espère que je vais pas le voir pendant mon live. Ma vidéo, je vois, excusez-moi. Ah, j'espère que ça va disparaître le truc quand même, parce que c'est un peu con. Si on voit ça sur la vidéo. J'ai une notification, j'espère qu'elle va partir la notification. Ça serait un peu con qu'elle disparaisse pas. Attendez, je vais juste faire un truc vite fait, hop. Hop, voilà, parce que sinon la notification ça s'en va pas, ça fait un peu con d'avoir une notification quand je joue. Donc, je suis désolé. Donc, on arrive bientôt 100 km, on est bientôt. Allez, dans 10 minutes on y est. 10 minutes, un quart d'heure on y est. Merde, excusez-moi, j'ai pas mis le régulateur vitesse. J'ai cru l'enclencher, mais non. Ah, c'est parti. On va doubler lui. Donc là, allez, 95 km, on est bientôt arrivé.
plus on arrive vers Rennes. On a la bonne destination du coup. Ça, ça devrait désactiver ça quand vous capturez avec OBS, ça devrait désactiver les notifications. C'est la première fois, même en live, ça m'est jamais arrivé d'avoir une notification. Bon, je pense qu'on va arriver dans. Je pense qu'on va. Peut-être qu'on sera arrivé dans les 50 km, on devrait pas tarder à s'approcher de la ville. Là c'est le blabla. Ah là c'est blabla bus du coup. Le skin là. C'est le blabla. Mais ça c'est un skin aussi, je peux mettre blabla bus. Bon, c'est comme blabla car sauf c'est blabla bus quoi. Alors après je sais pas du tout comment ça va marcher. Alors je ferai quand même une petite vidéo, je sais pas, je vais faire si je le fais ou pas. Mais je ferai quand même une vidéo sur Fanbus au volant, voir ce que ça donne. Voir juste ce que ça donne en volant. Mais après je vais pas m'amuser à le débrancher tout le temps mon volant quoi. L'idéal ce serait d'avoir un deuxième volant, mais bon j'ai pas les moyens de me mettre de prendre un deuxième volant. En fait ça m'énerve un peu de débrancher mon volant à chaque fois. Je sais pas si les autres vues. Je vais regarder après si les autres vues marchent. C'est stylé les gens qui toussent là dans le jeu. On a les gens qui toussent dans le jeu. Alors je sais pas si ça marche les vues. Non, je pense pas que ça marche les vues. Faut que je regarde, mais je vais pas le faire en roulant parce que c'est pour faire une connerie. Ah, il y a encore un air de repos ici, tu vois. Non, voilà, le volant il revient tout seul. On sent bien la direction, je veux dire. Là, on arrive à une pompe à essence. Bon, là, on a pas besoin d'essence, franchement. Non, on a la moitié du plein, je crois. Ouais, vous le dis, on va arriver bien bien une heure en avance, quoi. On va bien arriver une heure en avance du trajet. Vous voyez, quand je vous dis que les trajets, c'est large au niveau du temps, ben, c'est vraiment large, hein, de chez large. Parce que là, vous voyez, il est 14h03, je vais peut-être arriver vers 14h, allez, 20-25, et je vais peut-être presque avoir une heure d'avance. Par contre, je trouve pas. Ah, attendez, freine! Oh là là, mais il faut avoir une conduite dextérité ici, hein, parce que. D'expert, on va dire. Parce que là, les mecs, ils avancent pas. Et encore, parce que j'ai roulé vite, hein. J'ai pas. Bah oui, j'ai. J'ai roulé vite sans dépasser la vitesse autorisée, mais. Je comprends pas pourquoi j'arrive avant l'heure indiquée. Je sais pas pourquoi. Faut que j'aille tout droit, ouais. Donc là, il reste 30 km, on arrive bientôt à Brest. À Rennes, excusez-moi. Trompé de ville. Par contre, j'ai pas avéré tout du coup ma miniature, moi. Je crois qu'elle va être dans mon fichier. Allez, 25 km à faire. Ça, c'est cool. Donc, du coup, ouais, je pense que tantôt, je ferai pas de live. J'en ai déjà fait deux ce week-end. Je pense que ça suffit largement. Je vais pas. Je vais en faire un, mais je pense que je peux en faire. Je vais pas faire de live. Je préfère me concentrer sur des vidéos à publier sur YouTube. Donc, Rennes, hop. On l'a sorti ici. Vous voyez, quand vous freinez modestement, quand vous appuyez pas comme un sourd sur le frein, bah en fait on n'a pas le glissement de comme on a sur Tourisbus. Donc on arrive à Rennes du coup, péage de Rennes.
Donc par contre, en vrai, la réalité, je pense pas qu'on a les péages aussi proximité à proximité des villes. Je pense pas qu'on a directement, vous prenez le péage directement, vous allez dans les villes. Ah oui, le mec il a foncé. Mais regardez, le mec à côté. Il accélère comme un sourd sur le. Sur le poteau. Donc là il nous reste 11 km à faire, on a à peu près pour 3-4 minutes. Donc là on arrive à Rennes du coup, la ville de Rennes. On est bientôt arrivé du coup. Donc c'est une ville que j'avais déjà découvert avant. Mais le problème c'est que depuis que j'ai mon nouveau PC, bon, en fait ça m'a sauvegardé ma progression par rapport à mon compte en fait sur le jeu. Mais du coup ma progression de découverte des villes a disparu. Je vais prendre bien large. Parce que là. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ça a disparu ma progression. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre pourquoi ça a fait ça. On arrive bientôt. Il reste 4 minutes à faire. 4 km à faire. 4 minutes. Je sais pas sur quoi ils se basent du coup leur temps de trajet parce que je peux pas dire que c'est 1 km égale une minute, je pense pas, ça peut pas être ça dans le jeu. Je sais pas quelle est la distance temps dans le jeu. En fait, quelle est la distance temps? On va tourner à gauche là. Je pense qu'on arrive à la gare. Pourquoi c'est écrit sens interdit? Oh, je sais pas pourquoi. Ok, sens interdit, je sais pas pourquoi. Donc du coup, faut aller tout droit ou faut tourner? Non, faut tourner. Il faut tourner. Oui, faut tourner. Ouais, parce que c'est juste là. Donc on va arriver à destination du coup. On est arrivé à Rennes, on va se garer là. Voilà, juste là. Hop, on est arrivé à destination de Rennes déverrouillée. Nous sommes déjà à Rennes. Vous voyez les gens? Ah, oh, vous êtes déjà à Rennes. Hop. On va s'arrêter ici. Éteindre le bus. Alors, par contre, je voulais vous montrer les vues. Alors là, on a la petite vue là du coup. Alors tout ça, c'est cliquable quand vous jouez en mode réaliste. Tout ça, vous pouvez cliquer dessus. Par contre, sur la version console, on pourra pas. Vous voyez, on peut. Là, vous voyez, là, on peut pas cliquer, c'est normal. Hein. Vous voyez, on a utilisé la moitié du plein. Là, pareil, je crois que c'est. Donc 584 km, on a fait 1 heure de route. Une heure, pas beaucoup. Là, c'est la clim. Et la vue. Voilà. Ok, on va éteindre le bus. On va voir du coup le coût entrant du trajet. Voilà, hop. Vous reprenez vos bagages, les gens. Voilà, on va fermer la soute. Et on va quitter tout ça, du coup. Hop. On va voir ce qu'on a fait, du coup. On est arrivé à 14h36 et on devait arriver à 15h. 15h47, voilà. Se déconnecter, donc je vais me déconnecter. Donc là, ça me dit passager transporté 15 sur 15, ticket vendu 0. Bah, ça, c'est bon. Ticket invalide, ok. Bah, là, je suis bien. J'ai vraiment fait. Service, ok, je suis bien. Donc, accès toilette, c'est bien. Annonce diffusée, c'est nickel. Passager manquant, 0. Qualité de repos, 100%. Bonus d'horaire exact, c'est bien. Code de la route, bah là, ça devait pas être terrible. Temps respecté, ok. Priorité endommagée, donc 3 accidents. Piéton blessé, 0. Accident, 2, donc ça, c'est bien. Conduite, on est à. Respecter la vitesse limite, 100%. Distance de sécurité non respectée, moins 5 points, donc ça va, c'est bien. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez bien, peace!